Et salut à tous, ici Endo pour le 10e épisode de Regarde dans le Rétro sur Pokémon version Argent. La semaine dernière, on s'était arrêté dans la tour radio de Doublonville, qui était aux mains de la Team Rocket. Et donc, dans cet épisode, on va terminer de battre la Team Rocket une bonne fois pour toutes. Et si on a le temps, on commencera notre route vers la dernière ville, vers Ebenel. Ah. Résiste, tu meurs encore. Arrête ça avec toi, arrête ça. T'as tué mon Pokémon. Oh là là. Voilà. C'est reparti. Alors, Ross scientifique veut se battre. On envoie un magnétique. Bon, on va pas laisser coquillasse du coup. C'est vraiment pas un bon choix. Et bien, ferissons. Ça me paraît être un choix beaucoup plus approprié. Un petit coup de flamèche. Bon, il faut que Coquillasse prenne de l'XP, donc voilà. Même si ça rapporte pas grand chose. Hop, pareil, flamèche. D'accord, le mec n'a que des magnétis. Bon, ça va qu'il est pas très fort. Et pour changer un peu, on va faire une route feu, allez. On se fait un petit kiff. Et voilà. On passe au suivant. Quatre Pokémon, un Smogo. Pas le poison. Ouf. Oh non, sérieusement. C'est pas vrai. Mais non. Oh. Arrêtez de vous autodétruire.
Bon, bah on va laisser Kadavra. On est peut-être mort, on laisse Kadavra encore. Petit poison épicie. Ouh, on n'en parle plus. Bon, on va retourner au centre Pokémon pour soigner Coquillas. Parce qu'il faut vraiment qu'il gagne de l'XP. On va en avoir besoin à Ebenel. Hop là. Oui, allez, soigne mon Pokémon. Et plus vite que ça. Moi j'ai une ville à sauver hein. Et c'est reparti, on recommence. Allez, on y croit. Ah bah voilà. Ça devrait pas être trop dur. Il est plus rapide que moi. D'accord. Non, non, non. Pas ça. Allez, s'il te plaît. Oui. Un Asphéralton, on va laisser Coquillas. On va refaire Vanglas. Tant qu'il fait vampirisme, ça me va. Il est toujours plus rapide que moi. Donc on refait Vanglas. Sauf si je suis confus. Donc ça va, la confusion fait pas trop de dégâts. Ça fait beaucoup plus de dégâts par contre. Hop, pas le choix, une petite potion. Ah, et on attaque en premier. Il est pas mort. Allez, pour changer un peu, onde boréale. T'as de mort, bon, on va laisser Coquillas, mais on va tout de suite le changer. Bon, quoique, je peux peut-être faire un truc. Ça passe.
Eh ben non. Oh là là. Ce coquillasse prend tout dans la figure. N'est-ce pas? Bon, ok, on va retourner dans son Pokémon, on va faire des courses parce que là, c'est pas possible. Pokia se fait tuer à chaque combat. J'ai pas que ça à faire que de faire des allers-retours à chaque fois. Avoir pas mal de thunes en plus, j'ai quelques objets à revendre. Alors normalement c'est le premier étage si je me souviens bien. Commencer par vendre, muscle plus. Ah oui, 68 000, 73 000. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai vu un précision plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça sera tout pour ici. Que de fer, on enlève. On en veut pas. Larsin non plus. Donc voilà, 76 700 bokeh de là. On devrait être assez large. Tu vends pas de rappel, toi? Sérieusement? Et toi? Oui. On va en prendre 15. Puis c'est tout. Toi, tu vendais des potions, si je dis pas de bêtises. Oui. Puis on va en prendre 15 aussi. Et on s'en va. Bon, voilà, normalement j'aurais plus besoin de repasser au centre Pokémon. Décidément, ce Team Rocket me casse les pieds. Voilà. Parfait, cette tour radio sera parfaite pour nos plans. Un scientifique qui a tous les côtés Pokémon électriques. Jim scientifique, il envoie un... Ah non, un Porygon. Ah, au niveau 30. Du coup, Kokoya, c'est un peu... On va faire siphon. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça va le piéger. Puis on va faire vent glace pour attaquer en premier. Bon, le combat va être un peu long. Et j'attaque déjà en premier. Bon, s'il échoue tout le temps, moi ça me va. Hein. Onde boréale. Qui doit faire plus de dégâts que vent glace, je pense. Ouais, à peine. Ah, ça y est. C'est changé en type eau. Mais du coup c'est pas bon ça.
C'est pas bon du tout même. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est revenu en mode normal. Bah écoute mec, ok. Bah voilà. Bon. Bah c'était pas très dur. Et là, on arrive au sommet. Toi, tu es là pour me sauver. Alors, surpris ? Eh oui, je suis un imposteur. Cette mascarade était nécessaire à notre invasion. Veux-tu savoir où est caché le vrai directeur ? Je vais te le dire, mais d'abord, combat. Oui, donc on se retrouve face à un des caïds qu'on avait déjà battu dans la planque à Akajou. Ah, il a 6 Pokémon. Oula, niveau 30 en plus. On va tout de suite changer et mettre Kadabra. Parce que là, j'ai aucune confiance en Coquillas pour le coup. Gogo, on va mettre Coquillas et on va rechanger pour Kadabra. Smogogo niveau 32, ça doit rapporter de l'XP ça. Mince, ça baisse ma précision. Ah, et mince. Bouf, il l'a raté celle-là. Ah, pas sûr que ça le one-shot, là. Il y a 3 niveaux de différence. Ouais, presque. Ah là là. Ça devient compliqué, là. Ma précision baisse beaucoup. À ce niveau 27. Le mec n'est que des Smogo et des Smogogo ou quoi? Pas même chose, hein, on continue. Kadabra perd beaucoup en précision. Ça passe toujours autant. D'accord, donc il va vraiment que des Smogo en fait. Je refuse de laisser Coquillas parce que si jamais on se mange un destruction, on recevra aucun XP. Et généralement les Pokémon quand ils sont un peu low life, ils ont tendance justement à faire explosion. Enfin destruction. On continue. Pour l'instant, notre Kadabra se porte bien. Ah, ça a raté. Ça a encore raté. Pas le poison, pas le poison, pas le poison. Aïe!
Bah, il se passait quoi? Bon, m'envoyer Furisson. C'est pas très grave. Je suis déçu parce que Kadabra aurait pu passer niveau 30 sur ce combat. Et il aurait appris une nouvelle attaque, je crois. Encore un. Bon, pareil, hein. On va pas changer de tactique. Bon, par contre, il est très chiant avec son brouillard. Aïe aïe aïe. Flamèche. Bon, c'est bon, ça passe. Bon, première partie de la tour radio, c'est fini. On aura quand même mis 20 minutes, hein. On a planqué le directeur dans l'entrepôt souterrain. C'est tout au bout du souterrain, mais t'y arriveras jamais. Ah. Sauf que ce crétin nous donne quand même la clé sous-sol qui nous permet d'y accéder. Donc, on va y aller. Va falloir aller dans le souterrain. Hop là. Alors, on va en profiter pour rappeler Kadabra. Et également le soigner. Et direction le souterrain. Là, il y a des combats qu'on n'a pas fait. C'est des combats qu'on aurait dû faire avant et que j'ai complètement oublié. Donc voilà, ils sont très faibles. Niveau 10 quoi. Encore un Ramolos. Allez, ça dégage. Bon, quitte à les faire, on va tous les faire. Il y en a encore en bas, je crois. Ouais. Boîte de jetons. C'est pour le casino, ça, on en aura pas besoin. Ils sont faibles, mais ça donne toujours un peu d'expérience. Oh là là, il y a 15 niveaux d'écart, ça le tue pas.
Coquillade, c'est tellement faible. Il le sera tant qu'il n'aura pas évolué en Crustabri. Et il n'évoluera pas en Crustabri tant que Amédée Pêcheur ne nous aura pas appelé. Encore un là. Ça, ça devrait pas être trop compliqué à gérer. Ça devrait le one shot quand même. Ah, quand même. Parfait. Hop, le dernier avant d'arriver au sous-sol. Igibus Intello. Mince. Oh, niveau 7, ça devrait passer quand même. Faut pas déconner. Il y a 20 niveaux d'écart. Coquillasse niveau 28. Ah, ça change un peu, un Voltorb. Voilà. La clé sous-sol a ouvert la porte. Et là, nous allons rencontrer quelqu'un de spécial. Voyons voir. Alors, c'est parti. Revoilà notre ami, notre amour. Hé hé, je t'ai suivi. J'ai pas besoin de toi pour casser la Team Rocket. Attends voir, tu m'as battu avant, non? C'était de la chance. Cette fois, ça va saigner. Alors, il a un Pokémon en plus. Un Pokémon qui l'a volé, encore une fois. La volée à Irisia, celui-ci. Ah, c'est pas celui-ci. Je me demande si je peux pas faire un petit truc là. Ah bah non, il fait morsure. Ça va me faire mal ça. Ah, j'ai la trouille. Bon, je change. Je vais envoyer Faramp. Faramp est un sac à PV, il a 106 PV. Ah, la trouille. Voilà. Pour la forme, on envoie Coquillasse, hein. Il a toujours besoin de niveau. Mais on le change tout de suite pour Ferrisson.
clair, ça devrait pas poser de soucis. Roue de feu. Ah, il a déjà Alligatueur. Alors oui, on va changer, on va envoyer Coquillasse et juste après, on renverra Pharamp. Niveau 32. Donc c'est la dernière évolution de Caïminus. Hein. Bon, ça fait pas grand chose. Super. Ça fait beaucoup de dégâts. Grimace, ça réduit ma vitesse, je crois. Oui, c'est ça. Lui, il aurait porté beaucoup d'XP. Oui, 720. Donc 1440 si je l'avais battu seul. Spectrum, oui. On va envoyer Coquillasse. Mais on va renvoyer, bah, on va envoyer Pharamp. Malédiction. Il en reste plus qu'un. Et c'est le fameux Pokémon dont je parlais. Le Pokémon qu'il a volé à Irizia. Farfuré. Et j'arrive jamais à me rappeler de son type. Il doit être de ténèbres glace peut-être. J'irai me renseigner. Faire roue de feu, donc parfait vrai qui est très très rapide par contre. Ouais, il semble être de type glace. Ah, ça n'a pas été suffisant pour tuer. Et Thoron a perdu. Pourquoi moi perdre? Les Pokémon sont super balèzes. Je les ai entraînés à fond. Alors pourquoi? C'est incroyable. Skedipiter est donc vrai. Je m'occupe mal de mes Pokémon. Amour, confiance. Est-ce aussi important? Est-ce la raison de ma défaite? Je ne comprends plus rien. Mais ce n'est pas la fin. Pas maintenant. Pas comme ça. Je serai le plus grand dresseur de Pokémon de tous les temps. Donc là, prise de confiance pour lui, il vient de comprendre que bah, les Pokémon, il faut les aimer. Sinon, ça marche pas. Bien. Ceci étant fait, on va soigner un peu tout le monde. Hop. Et pour Pharamp, ça suffira pas. On va utiliser l'hyper potion. C'est parti, donc là on va avoir un jeu de... Comment dire... On appuie sur un bouton, ça ouvre une porte, on s'enferme d'autres. Bon, niveau 27, je pense que Coquillasse peut gérer le coup. Niveau 29.
D'accord, il n'y avait que ça. Le deuxième. Et il y a encore un gros tas de morts. Niveau 23 seulement ? Bah, ça devrait le faire alors. J'ai l'impression que les Pokémon qui sont ici sont moins forts que ceux qui étaient dans la tour radio. Un Smogo, bon. Prions pour qu'il ne fasse pas destruction. Oui, c'est le one shot. Alors je sais pas si c'est Coquillas qui commence enfin à devenir un peu fort. Ou si c'est eux qui sont vraiment faibles. Dans tous les cas, il me tarde que j'obtienne la pierre haut pour avoir Crustabri. Et le dernier. Bah moi, je te confie un petit secret. Il va nous dire lequel est le premier à activer. On a presque plus de surf. Ah mince! Purée de pois. Bon, super. Oh non, pas destruction. Oh non, le retour de la destruction. Au revoir Coquillas. Je déteste cette capacité. Bon bah Kadabra. À défaut. L'avantage c'est qu'il passera niveau 30 et qu'il apprendra Psycho normalement, si je ne dis point de bêtises. Eh ben non, pas du tout, il l'apprend pas tout de suite. Et ça devrait pas tarder donc lui. Aucun conseil, change l'ordre d'activation et l'ordre de fermeture des volets changera. Ah bah non, il donne pas du tout l'information que je voulais. Donc là, si on fait ça, on a un monsieur. Ah, j'ai oublié de rappeler Coquillas. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Pokémon de type feu, bah évidemment, comme par hasard. Bah, pour la peine, je vais quand même rappeler Coquillas. Kadabra va un peu tanker. Ça devrait le faire normalement. Oh oui, largement même. Ouch. Coup critique. Bon, Kadabra est mort. Coquillas. Plus rapide que moi, mais c'est pas grave. Je vais normalement il doit mourir.
Encore un Smogo. Bon, la dernière fois on a vu qu'un seul sort ne suffisait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Vanglas en premier. Et après on va faire Surf. Voilà. Comme ça, pas de destruction. On n'oublie pas de rappeler. Non. Kadabra. Et de le soigner au passage. Allez, on va activer le 1. C'en est où? Bah, tout est fermé. Tout que... Le 2, du coup. Rien d'ouvert? Bon. Bah, le 3, alors. Le 3, ça a ouvert le... ce qui est juste là. Deux peut-être. Je suis perdu. Ah cool. Là c'est ouvert un truc, mais je peux pas aller plus loin. On va récupérer la bouboule. Tout à le soin. Toujours pratique. Bah le 2 peut-être. C'est la galère ici. Non, toujours pas. Aïe aïe aïe, on va perdre du temps là. Je suis perdu là. Ah, on est revenu au point de départ. Alors, dans ma mémoire, c'était d'abord le 3, puis le 2, puis le 1. Ça a marché. Ah oui, oui, oui. Envoie ton blé. Tout à l'heure on a déjà battu un Smogo niveau 23 en un coup avec Surf, donc ça devrait passer. Ouais. Et Coquillasse niveau 30. Elmer Pillard envoie un... Non, non, change pas. Smogo encore. Pareil. Et un Magmar, et bah du coup c'est un Pokémon feu, on laisse Coquillas. Ah c'est plus rapide que moi. Pas le poison, pas le poison, pas le poison, pas le poison. C'est bon.
T'es perdu? Non, je le crois pas. T'as pas l'air d'avoir peur? Attends, moi je vais te faire peur. Je ne crois pas, non. Bien que tu sois cruellement moche, oui. Hortile Pokémon de type plante, on cacoquillasse et on fait une onde boréale. Bon, ça sera en deux coups. Ah, un parasport. Deuxième Ortide, pareil. Mince. La paralysie. Si je suis paralysé... Non, c'est bon, ça passe. Et on sort enfin de ce labyrinthe. Combien de temps qu'on tourne? Ça fait 48 minutes que je tourne. Il est temps d'arrêter, tout simplement. J'avais espéré pouvoir terminer l'arc Team Rocket dans cet épisode, mais ce sera pour le prochain. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu. Suivez les aventures de Ores le mardi et de Game le vendredi. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao.